Bah, stage comme ça, bon, 2-3 jours à cette époque-ci. Bon, c'est, en plus, avec le match dimanche, donc ça, on ne pouvait pas le prévoir. Donc, c'est pas tellement dans le contenu des séances, hein, même s'il y a eu une très bonne séance mercredi matin. Mais c'est surtout l'objectif, c'était un stage de cohésion pour renforcer la cohésion, l'ambiance dans le groupe, qui est excellente. Mais bon, ça. Voilà, et puis après, on a. Ça s'est confirmé, je crois. Enfin, ça c'est une excellente ambiance. Une sortie en VTT par Force 8 sur la côte sauvage. Donc on a perdu personne, donc l'objectif était atteint. Depuis le départ, mais je me félicite de l'état d'esprit qui règne dans le groupe, hein, tant dans l'ambiance, l'ambiance de groupe, l'ambiance de travail. Les deux vont de pair d'ailleurs. Et c'est pour moi indispensable déjà pour créer un jeu collectif, ça suffit pas, mais c'est nécessaire. Une coupe, c'est aléatoire, c'est-à-dire vous avez un tirage au sort qui peut vous amener directement en finale. Et puis bon, après, voilà, il y a cet aspect qui plaît au public d'ailleurs, mais c'est aléatoire. Bon, maintenant, en général, pour arriver au bout, il faut sortir des gros. Et que j'ai dit, bon, donc de toute manière, quitte à prendre un gros, faut le prendre. On peut le prendre dès les 16e. D'être éliminé par Lyon en 16e ou être éliminé par Lyon en 8e, c'est la même chose. Donc c'est pas. Maintenant on préfère éliminer Lyon et puis continuer, ça c'est sûr. C'est pas une impasse, hein, c'est pas une impasse. Ce que je veux dire, c'est les circonstances qui font qu'on est obligé de gérer l'effectif pour avoir l'équipe la plus compétitive, pour préserver aussi certains joueurs. Donc c'est des circonstances qui font que c'est comme ça. Là, il n'y a pas de problème. On a hormis les blessés dont j'ai parlé. Bon, après, je vais aligner l'équipe la meilleure possible, évidemment, à mon sens, pour samedi. C'est par contre, c'est dans la motivation. On est là, l'équipe sera concernée. C'est un match qui est excitant à jouer. Nous, voilà, c'est sur le plan de la motivation, il n'y a pas lieu de se forcer. Quand on va à Bayonne, évidemment, le danger, il est là. On sait à quoi s'attendre dans ce type de match. Là, on va jouer dans notre stade, dans des conditions de jeu, je pense, bon, qui sont normales, en tout cas pour la L1, et puis face à un adversaire de gros calibre. Donc là, tous les... C'est extrêmement motivant à jouer. Hein. Je pense que ça, les joueurs, sur la motivation, je pense qu'il n'y a pas de surprise à attendre. L'équipe sera présente.